Bonjour à tous, c'est Missele Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va mieux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un coffret donc Lucario GX que je suis très contente d'avoir parce que Lucario c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. Et là dernièrement c'est vrai que je vous ai pas fait beaucoup d'ouvertures, donc je suis très contente de pouvoir en faire une maintenant. Mais je vous avais expliqué pourquoi, c'est parce que donc début juin je voudrais ouvrir un display celle-ci et il faudrait que j'économise un petit peu pour ça. Donc là, je vais vous ouvrir ce coffret et la semaine prochaine, je vous ouvrirai 3 boosters Ultra Prisme en plus d'une réception de mes derniers achats. Donc là, avant d'ouvrir, je vais vous montrer deux petites figurines donc de Lucario. Alors ça, c'est la Finger Puppet qui est sortie en donc début 2018 à l'occasion du film 20. Et j'ai également donc une belle figurine, donc c'est une Amiibo. Celle-ci, je pense qu'elle a peut-être 1 an et demi, 2 ans, je sais plus trop quand est-ce que je l'ai achetée. Donc je ne joue pas, hein, mais bon, à collectionner, c'est toujours sympa. Voilà, donc je crois que j'ai que ça pour l'instant. Cela, je suis en train encore de déballer donc toutes mes affaires. Mais j'ai pas encore disposé exactement comme je voudrais. Donc maintenant, bah, je vais passer à l'ouverture. Alors, je vous montre d'un petit peu plus près. Je soulève ça. Donc, très beau coffret. J'ai le focus qui se fait mal, voilà. Comme ça fait un petit moment, j'espère quand même avoir un petit tirage sympa. C'est vrai que c'est encore. J'ai vu quelques ouvertures déjà. Je crois que j'ai vu trois ouvertures. Et c'est vrai que soit c'est tout l'un ou tout l'autre en fait. Soit il n'y a rien dedans, soit t'as trois ultras. Enfin, c'est chaud quoi. Une petite foulard, ce serait bien. On verra. Alors, comment. Ah oui, c'est encore les mêmes que les légendes brillantes. Ouais, c'est ça. Bon, je vais mettre en pause un petit instant parce que je voudrais pas trop l'abîmer. Je reviens. Voilà, il s'est ouvert assez facilement en fait. Donc, je vais essayer d'enlever la promo sans l'abîmer. J'ai essayé d'en trouver une qui était pas trop mal cadrée. Bon, je n'y arrive pas. C'est pas grave, je l'enlèverai doucement plus tard. Je vais vous la montrer comme ça. Donc très belle GX. Moi, elle me plaît énormément. Je vais mettre ça de côté. Alors, nous avons donc deux boosters Ultra Prisme, un Soleil et Lune et un Évolution. Donc le code, je vais le garder. La Jumbo qui est pas mal aussi. Alors, ah, je suis trop contente, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait d'ouverture. On commence par Évolution. Évolution, j'ai regretté de pas garder des boosters scellés. Bon, j'essaierai d'en trouver plus tard. Je préfère l'ouvrir parce que des fois on peut quand même avoir des bonnes pioches. Donc double énergie incolore, super potion, reptincelle, voltorb, magnéti, chenipan, ratata, salamèche, machoke en reverse. Et Tardarnian en rare. On commence doucement. Alors, Soleil et Lune 1. Oui, c'est ça. J'ai eu le doute.
Alors, une énergie eau. Super Bowl. Quatermark. Excusez-moi, j'ai encore des petites difficultés avec ma voix. Donc, Spire de la Team Skull. Caninos. Larvibule. Nosferapti. Chartor. Brindibou. Pickleron en reverse. Papillusion rare. Ah super. Non, je ne sais même pas si je l'avais cette carte. C'est une carte que j'apprécie beaucoup. Mais je suis en train de me demander si je l'ai. Donc c'est cool, je suis contente. Bon, une petite ultra maintenant, ça ferait plaisir. En plus, j'ai pas ouvert beaucoup d'ultra prisme. Dans la prochaine, il y a une prisme donc de Kawayo. J'espère que je vais l'avoir. Peu mais sale. C'est parti pour Ultra Prisme. Donc une énergie psy. Spiritomb. Trio Piqueur d'Alola. Cristal antique. Sablette d'Alola. Hippopotas. Riolu, Topiqueur d'Alola, Tiplouf, Trio Piqueur d'Alola en reverse. Je le sens mal ce coffret. Et Hippodocus en rare. Bon. Donc déjà le dernier booster. Allez, une petite full art là, ça ferait plaisir quand même. Ah, en plus, je l'ouvre très mal. Allez, une énergie feu, Spiritomb. Motisma, ça sent le motisma à la fin, ça. Énergie unitaire, non, je crois que je ne l'ai pas celle-là. Cricknot, Electek, Wistikram, Pachirizu, Sablette d'Alola, Romphe en reverse, oh, sympa. Bon, et la dernière carte. J'ose pas. Ouais, bah non, une rare. Ah, mais Drayole holographique, d'accord. Bon, ça sauve un petit peu, mais j'aurais préféré autre chose. Bon, peut-être j'aurai plus de chance dans la prochaine ouverture, on sait jamais. Bon, bah pour moi, les deux cartes donc de cette ouverture, donc ce sera le Papillusion en rare et le Drayole holo. Bon, on reprend tout doucement, on va dire. Bon, ça fait toujours plaisir d'ouvrir, là je suis vraiment contente, c'était quand même sympa. Un petit peu déçue, mais c'est pas bien grave. Donc bah, je vous rappelle que donc je vais bientôt faire une FAQ, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi me poser des questions un petit peu plus perso, professionnelles, tout ça, n'hésitez pas. Bon après si je veux pas répondre, c'est trop personnel, je répondrai pas, y a pas de souci, vous pouvez me demander quand même ce que vous voulez. Donc, voilà. Bon, ça, on verra pas assez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il me semblait que j'avais autre chose à vous dire. Donc, la semaine prochaine, donc, ouverture des trois boosters Ultra Prisme et mes derniers achats. Sinon, ben, c'était tout, hein. Je voulais vous parler de la FAQ. Donc, je vous remercie encore à tous pour votre présence. Puis bah, donc c'était quand même sympa d'ouvrir ce petit coffret. Hein. J'espère que vous aurez un petit peu plus de chance que moi. Et sur ce, bah, je vais vous laisser. Vous souhaitez une bonne fin de semaine. A plus, salut!